Hello everyone, I'm Sandrine Vito, the director of Albertine Bookstore, and I'm very pleased to welcome you this afternoon in New York. It may become an habit to launch our programming season every year with Simone de Beauvoir and in the company of Judith Thurman. Last year, it was on the occasion of the launch of the biography written by Kirkpatrick, which, by the way, will be released in France in a few days. And we had the pleasure to welcome the author and Judith at the bookstore. Of course, this year the circumstances are very different and we have to host this conversation on Zoom. But when we learned that an unpublished book by Simone de Beauvoir would be released this fall, we knew that we had to celebrate its release. I told you last year how important reading Simone de Beauvoir was for me when I was a teenager, and especially Memoirs of a Dutiful Daughter. So of course, it is very moving to be able to read Les Inséparables, which Simone de Beauvoir wrote in 1944. Considering the story to be too intimate to be released in her lifetime, she filed it away, but saved it from destruction by putting it in the good care of her adopted daughter, Sylvie Le Bon de Beauvoir, whom we are very pleased and honored to host today from her apartment in Paris, and before the curfew in 1 hour in Paris. A philosopher and editor, Sylvie Le Bon de Beauvoir, is the adopted daughter of Simone de Beauvoir. Their first meeting was evoked in force of circumstance, which Beauvoir dedicated to her. She worked for the journal Les Temps Modernes until 91. Since 86, she has released many unpublished works by Beauvoir. Lettres à Sartre, Journal de guerre, Lettres à Nelson Algren, Un amour transatlantique, Correspondance croisée entre Simone de Beauvoir et Jacques-Laurent Bost, et Cahiers de jeunesse. Judith Thurman began contributing to the New Yorker in 87, and became a staff writer in 2000. She writes about books, culture, and fashion. Her story on Yves Saint Laurent was chosen for the Best American Essays of 2003. She is the author of Isaac Dinesen, The Life of a Storyteller, which won the 83 National Book Award for Nonfiction, and Secret of the Flesh, A Life of Colette, the winner of the Los Angeles Times Book Award for Biography. She has been conferred by the French government the insignia of Chevalier of the Order of Arts and Letters, as her works have greatly enriched and French intellectual life and French-American cultural exchange. And we are very, very proud to count her as a very good friend of Albertine. And finally, we are always very pleased to have the one and only Nicolas Elliott, who will do the translation. So he will translate in French the question of Judith for Sylvie, and then he will translate in English the answers of Sylvie. One last thing before we start. If you want to ask some questions, please use the tool of Zoom Miriam and I, we will take care of it. But I leave the floor to Judith, Sylvie, and Nicolas. Thank you very much. Thank you so much, Sandrine. It's an honor to be here. I'm sorry that we're not in the beautiful room up the block. At the outside of Albertine, but it's very sort of intimate this way. It's strangely intimate having everybody's face and bedroom on the screen. It's an honor to participate in this conversation with Sylvie Le Bon de Beauvoir and to have Nicolas do the translation. Do you need to translate that, Nicolas? Okay. I'm losing my place. So Les Inséparables was written in 1954, which was the year that Simone de Beauvoir won the Prix Goncourt for Les Mandarins. And in 1958, she incorporated the material, not all of it, but some of it, reworked, different, into Memoirs of a Dutiful Daughter. And then she buried the novel in her archives. And then 74 years have passed since she wrote the novel, and now 36 years have passed since her death. So my question is, why did you choose to publish it now?
Alors, le livre a été écrit en 1954, l'année où Simone de Beauvoir a gagné le prix Goncourt. En 1958, elle a pris la matière de ce livre sous forme transformée et l'a incorporée en partie aux mémoires d'une jeune fille rangée. Et maintenant, 74 ans se sont écoulés depuis l'écriture du texte, 36 ans depuis le décès de Simone de Beauvoir. Alors, la question pour vous est, pourquoi publier Les Inséparables aujourd'hui ? Bien, Simone de Beauvoir m'a confié le destin de ces inédits, de tous ces inédits. Il y avait énormément d'inédits. Et j'ai été prise dans une logique de publication qui a fait passer en premier certaines correspondances, puis les journaux de jeunesse, les cahiers de jeunesse. Et ensuite, j'ai été accaparée par la préparation de la publication des mémoires dans la bibliothèque de la Pléiade en 2018. Et précisément, à l'occasion de cette Pléiade, la nouvelle « Les Inséparables » est ressurgie naturellement, parce que nous voulions la placer parmi les annexes qui comprennent des inédits, justement en parallèle avec les mémoires d'une fille rangée. Mais la nouvelle était trop longue pour le calibrage de la Pléiade. Et donc, j'ai pensé qu'elle méritait une publication séparée. Et voilà, nous nous retrouvons en 2020 avec la parution des Inséparables. Comme vous le savez, le titre n'est pas de Simone de Beauvoir. Elle avait laissé la nouvelle sans titre. Et ce terme qui réapparaît sans cesse dans le texte m'a paru convenir. Simone de Beauvoir entrusted me with the fate of her unpublished works, all her unpublished works, of which there were many, very many. And initially, I was, in a sense, caught in a publication logic that started with publishing many of the correspondences, the letters, then the notebooks and journals of Simone de Beauvoir's youth, and then I was really caught up with preparing for publication the memoirs for the Pléiade collection in France, which was published in 2018. And on the occasion of that publication in the Pléiade, we wanted to include the short story Les Inséparables in the appendices. It seemed like a very natural thing to do because we were including certain unpublished work there anyhow, and it seemed that it would work nicely in parallel to the memoirs. Unfortunately, the short story was too long for the amount of room that the Pléiade had, so I thought that it would be worthy of its own individual publication. And so now here we are in 2020 with this publication of Les Inséparables, which, as you know, is a title that was not chosen by Simone de Beauvoir. She left the story without a title, but it is a term, Les Inséparables, the inseparable, that reappears constantly in the text and seemed appropriate. Simone de Beauvoir was not satisfied enough with the novel when she finished it, and she didn't want to publish it. But also, she asked Sartre his opinion, and he literally turned up his nose. I think the expression was crinkled his nose at it. And so she put it aside. But can you tell us what her qualms were about the book? I found it a beautiful, spare book that has lasted. It doesn't feel dated. It's a work of literature, and I'm not sure what dissatisfied her. And I know he sort of, was she influenced by his opinion of it? Was she coerced in some way to set it aside? What was the story?
Alors, Simone de Beauvoir n'était pas satisfaite de cette histoire quand elle l'a terminée. Elle a décidé de ne pas la publier. Mais elle l'a aussi montré à Jean-Paul Sartre, qui l'a reçue avec beaucoup de dédain, on pourrait dire. Et donc, j'aimerais savoir quels étaient les problèmes de Simone de Beauvoir avec ce texte. Parce qu'à mes yeux, c'est un texte très beau, précis, qui n'est pas du tout daté. C'est une vraie œuvre littéraire. Donc, qu'est-ce qui, dans Les Inséparables, ne la satisfaisait pas? Est-ce que peut-être elle a été influencée par Jean-Paul Sartre? Non, je crois qu'il faut se remettre à l'époque où elle a écrit cette nouvelle. Nous sommes en 1954. Comme Judith l'a rappelé, elle a reçu le prix Goncourt pour Les Mandarins, qui est un roman qui a occupé sa vie 4 ans et dans lequel elle a déjà mis beaucoup d'elle-même. Mais c'est un roman. Et après cela, justement, elle en a un peu assez du roman. Et ce dont elle a envie, c'est d'écrire sur elle-même. Elle a envie de passer à l'autobiographie. Et c'est ça le véritable sens de cette hésitation. Et également de la réaction de Sartre qu'il faut comprendre de façon juste. Sartre sait très bien qu'elle veut passer à l'autobiographie. Et c'est dans cette optique qu'il a trouvé le récit, à juste titre, ne convenant pas. Parce qu'en fait, au lieu de se lancer directement dans l'autobiographie, elle a pris un détour. Et ce détour, c'est de nouveau une fiction. Et c'est très différent dans l'esprit de Simone de Beauvoir. Elle a beaucoup écrit là-dessus dans La force des choses. L'esprit du roman et l'esprit de l'autobiographie sont complètement différents. Ce sont deux orbites qui ne peuvent pas se rencontrer. Donc, oh pardon. Oui. Pardon, je vais juste, sinon trop. Non, pardon. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Alors. C'est difficile quand on a démarré. C'est parfait, ne vous inquiétez pas. I think we really have to return to the period, the moment in which Simone de Beauvoir wrote this story. It was 1954, and as Judith mentioned, that's the year that Simone de Beauvoir won the Prix Goncourt for her novel, The Mandarins, which was a novel that had completely taken up her life for 4 years, and in which she had already put a great deal of herself, but it remained a novel. And after writing that novel, her desire was to start writing more about herself, to move towards autobiography, which explains her reaction and also explains Jean-Paul Sartre's reaction, which I think we need to understand as an appropriate reaction, because he knew that Simone de Beauvoir wanted to move towards autobiography, and he understood that this narrative didn't work as autobiography, because on her way to autobiography, de Beauvoir took a detour into another fiction. And this is something that Simone de Beauvoir wrote about at length, notably in Force of Circumstance, where she says that the spirit of the novel and the spirit of the autobiography are two extremely different things. They're orbits that cannot meet. That's fascinating. I would not have expected that, actually. I thought maybe Sartre was jealous of the love, the description of Simone de Beauvoir's love for Zaza, André, in the novel. I thought perhaps he was jealous a little bit of the importance of Merleau-Ponty, who's the Pascal Blondel in the story. And perhaps I felt maybe there was a little pique. This is a very interesting explanation. And I was going to ask a different question, but it seems appropriate here to wonder. I reread the memoirs of a dutiful daughter, and there are two Zazas. There's the Zaza of the memoir, and there's the Zaza of the novel. The Zaza of the novel seems to be a stronger character, more, in a way, a more forceful character. Certainly, it's a portrait that's more concentrated, because in Memoirs of a Dutiful Daughter,
the friendship that Simone de Beauvoir has many other friends, she has many other passionate attachments. Zaza plays an important, even central role, but it's not the whole subject as it is here. You who knew Simone de Beauvoir so intimately, which Zaza, are they versions, are they facets of the same character? Is one portrait truer than the other? How would you compare them? The Zaza of the memoir, in principle, the true Zaza and the fictionalized Zaza? Je ne m'attendais pas à cette réponse. Je pensais que vous nous diriez peut-être que Sartre était jaloux de l'amour qu'exprime dans la nouvelle Simone de Beauvoir pour Zaza André, ou peut-être qu'il était jaloux de l'importance donnée à Merleau-Ponty qui apparaît en tant que Pascal dans l'histoire. Donc c'est une explication très intéressante qui me mène à vous poser la question qui suit, que je n'avais pas vraiment prévue. En me préparant pour cette rencontre, j'ai relu les mémoires d'une jeune fille rangée et donc j'ai pu constater qu'il y a deux Zaza. Il y a une Zaza dans les mémoires d'une jeune fille rangée, une œuvre de mémoire, et la Zaza de la fiction Les Inséparables. Je pense qu'on peut dire que celle de cette fiction, de ce récit, est beaucoup plus forte, elle a beaucoup plus de force. C'est un portrait, bien sûr, très concentré, tandis que, bien sûr, dans les mémoires, Simone de Beauvoir a d'autres attachements passionnés, elle a beaucoup d'amis, même si Zaza joue un rôle central. Donc, vous qui connaissiez tellement bien, tellement intimement Simone de Beauvoir, pourriez-vous nous dire quelle Zaza est la vraie Zaza? Celle des mémoires ou celle du récit Les Inséparables? Est-ce que ce sont des facettes du même personnage? Pourriez-vous comparer ces deux portraits, celui des mémoires et celui de la fiction? Eh bien, moi aussi, j'ai ma surprise. Moi, je ne vois pas une telle différence entre ces deux Zaza. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, dans Les Inséparables, Zaza est la figure centrale. Elle occupe le centre de la scène. Et bien sûr, dans les mémoires Jeanne Firanger, il y a d'autres amis. Personne qui soit tout de même comparable à Zaza. Elle est quand même très importante dans les mémoires Jeanne Firanger. Mais peut-être tout de même, il y a quelque chose de juste, Judith, dans ce que vous dites. C'est que il y a peut-être une facette de Zaza qu'elle a plus accentuée dans Les Inséparables. Peut-être une certaine violence, en effet, qui ressort davantage, bien que, tout de même, vous savez, hein, dans les mémoires de Jeanne Firanger, quand Zaza s'entame le pied avec une hache, c'est raconté également, c'est quand même très, très violent, n'est-ce pas? Simone de Beauvoir me parlait souvent de Zaza, nous parlions de tout, mais je lui posais des questions sur Zaza. Et la seule chose qu'elle m'a dite, c'est que elle n'a pas pu mettre en avant certains aspects sexuels chez Zaza. C'est dit quand même, mais dans Les Inséparables, à la fin, son rapport avec André est nettement coloré sexuellement. Mais peut-être que la Zaza réelle était encore plus, plus marquée de ce point de vue-là et donc plus opprimée de ce côté-là par son milieu et par sa famille, ça c'est certain. Yes, I was also surprised, though I must say I don't see so much difference between the two Zazas. It's true, in Les Inséparables, Zaza is the central figure. She's at the center of the stage, whereas in Memoirs of a Dutiful Daughter,
there are other friends, though I think we can say there's no one comparable to Zaza. She's a very important character in the memoirs. But maybe there's something correct about what you say, Judith. Maybe there's a certain facet of Zaza that is accentuated in Les Inséparables, and that's a violence that does come out in the short story. Although one has to recognize that in Memoirs of a Dutiful Daughter, when Zaza hits her own foot with an axe, that's also very violent. Simone de Beauvoir and I often talked about Zaza. I mean, she and I talked about everything, but I asked her a lot of questions about Zaza. And the only thing I could say, the only thing that Simone de Beauvoir told me, is that she couldn't foreground certain sexual aspects in terms of Zaza. I mean, yes, in Les Inséparables, that does come to the surface. The relationship with André does have a sexual coloring, but maybe not as much as the real woman experienced. And maybe in that way, it was something that influenced her perspective more. And certainly in that way, perhaps she was more oppressed by her milieu and her family than we see in the literature. I want to come back in a minute to the oppression of the milieu and of the bien-pensant bourgeoisie catholique. But there's an extraordinary statement at the very end of Memoirs of a Dutiful Daughter, and I don't have it in English, so I'll read it in French. Ensemble, nous avons lutté, ensemble meaning Simone de Beauvoir and Zaza. Ensemble, nous avons lutté contre le destin fangeux qui nous guettait, et j'ai pensé longtemps que j'avais payé ma liberté de sa mort. That is an extraordinary statement, and I would love to hear you unpack that a little bit for us, and especially to speculate on how the life and work of Simone de Beauvoir might have been different had Zaza not died. Alors, je veux revenir à cette question de l'oppression dans un moment, mais je voulais vous lire un bref passage qui arrive à la fin des mémoires d'une jeune fille rangée, où Simone de Beauvoir parle donc de son rapport avec Zaza. Et ce passage est un passage extraordinaire et qui me mène à vous poser la question de comment est-ce que la vie et le travail de Simone de Beauvoir auraient été changés, différents, à votre avis, si Zaza n'était pas morte. Vous savez qu'il est toujours difficile de spéculer sur un possible, un simple possible. Mais il est évident que cette mort, cette tragédie, et là, Judith, vous avez lu la dernière phrase, et ce n'est pas un hasard, évidemment, si Simone de Beauvoir a écrit ça comme dernière phrase des mémoires d'une fille rangée. Donc, cette tragédie de la mort de Zaza a vraiment était une expérience bouleversante et inoubliable pour elle. Et ce qu'elle a pensé, en un sens, c'est que survivre est une faute. Elle a gardé une certaine culpabilité, parce qu'au moment où pour elle, la vie, le monde et le bonheur s'ouvraient, tout s'était refermé pour Zaza. Et ça a influencé son écriture, puisque dans les premiers romans, tenez, voilà des inédits, les romans de jeunesse que je pense publier. Dans ces romans de jeunesse, Zaza apparaît plusieurs fois. Et elle est hantée par le drame de Zaza. Well, it's always hard to speculate on something that is a mere possibility, but it is obvious that this death, this tragedy had a huge importance in Simone de Beauvoir's life. Judith, what you read was the very last sentence of Memoirs of a Dutiful Daughter. And the fact that this is the last sentence is no coincidence. It shows that
the tragedy of Zaza's death was an overwhelming, devastating, unforgettable experience for Simone de Beauvoir. And what Simone de Beauvoir thought of it, what it left her with, is that surviving was a sin. It left her with a feeling of culpability. At the moment when life, joy, and the world were opening up for her, it was all closing down for Zaza. And we see the importance of that experience in Simone de Beauvoir's writing, notably in her Juvenilia, her unpublished early fiction, which I will eventually publish. Zaza constantly appears. She's a figure that truly haunted Simone de Beauvoir. I recently wrote a long essay for The New Yorker on Elena Ferrante. I don't know if you, Sadie, are a fan of the work of Elena Ferrante, but in reading Les Inseparables, I was reminded very, very strongly of the portrait of the friendship between two girls, two exceptional girls, who come from a very different milieu, but nevertheless, they're from the proletarian Naples, but it's a Catholic milieu. It's an entrenched ancient patriarchy. And it's one in which girls are expected to sacrifice themselves on the altar of motherhood and maternity. It's also a milieu in which the mothers are at the same time objects of control by the patriarchal society and tools of control in controlling their daughters. And what was so moving to me in both the Neapolitan Quartet and in Les Inseparables, I really feel there's a link between them, is that each of these brilliant, sensitive, passionate girls has been cheated of a sense of herself. She's tormented by her sense of invisibility. And that's the gift that the friends give. That's the precious gift that the friends give to each other, which is the gift of being seen. And so I'm just curious if you have any feelings about the Ferrante de Beauvoir rapport, and if you think, if you had any sense of what de Beauvoir might have made of Ferrante. Récemment, j'ai écrit un long essai dans le New Yorker sur l'œuvre de Elena Ferrante. Je ne sais pas si vous appréciez son œuvre, mais en lisant Les Inséparables, j'ai beaucoup pensé au magnifique portrait d'une amitié entre deux jeunes filles qu'on trouve dans l'œuvre de Elena Ferrante, dans le Quatuor néapolitain, où pareillement, même si ces deux jeunes filles viennent de milieux très différents, elles sont toutes deux dans un milieu catholique, une ancienne patriarchie, et ce sont des milieux où les jeunes filles doivent se sacrificier à la maternité, des milieux où les mères sont d'un côté des objets de contrôle, mais aussi des instruments de contrôle. Et j'ai vraiment été ému par ce rapport que j'ai perçu entre le Quatuor néapolitain de Ferrante et Les Inséparables, qui tous deux sont des portraits de jeunes filles brillantes, sensibles, auxquelles on vole ce sentiment d'elles-mêmes. On leur donne l'impression d'être invisibles, et le cadeau que leur donne l'amitié, c'est justement d'être vu par quelqu'un. Donc, j'aimerais simplement savoir ce que vous pensez de ce rapprochement potentiel entre l'œuvre de Ferrante et de Simone de Beauvoir, et peut-être ce que Simone de Beauvoir aurait pensé de cette œuvre de Elena Ferrante. Oui, moi, j'aime beaucoup Ferrante, et je suis quasi sûre que Simone de Beauvoir l'aurait aimé également, ça, oui. Effectivement, ces histoires se font écho. Ce qu'il y a de touchant, en effet, c'est que ces amitiés très fortes, enfin, on pourrait parler d'amitié amoureuse, les aident précisément d'abord leur donnent du bonheur et les aident à vivre dans ces milieux terribles où l'individualité n'a pas le droit
d'exister, où il faut, comme j'ai essayé de le montrer dans mon introduction, s'adapter, ce qui me paraît un verbe atroce. Il faut occuper la place qui est prévue pour vous par l'époque, par la classe sociale, par la famille. Et si jamais, comme Zaza, vous renâclez, vous refusez d'entrer dans le cadre préfabriqué qui vous est imposé, on vous écrase. En tout cas, c'est ça la tragédie de Zaza. Mais enfin, je suis contente qu'on ait parlé de l'œuvre de Ferrante et je suis bien d'accord avec Judith. Yes, I like Elena Ferrante's work very much, and I'm practically certain that Simone de Beauvoir would have liked it a great deal as well. And indeed, these are stories that really echo each other. What I find so moving is that these strong friendships that are portrayed in these works, one could even say loving or lovers friendships, are relationships that give these girls, first of all, they give them happiness, and they also help them to live in these terrible milieus where individuality has no right to exist. As I tried to say in my introduction to Les Inséparables, these are milieux in which one is forced to adapt. What a horrible verb that is, to adapt. You must take the place that was planned for you by the period that you live in and by your family. And if you happen to be someone like Zaza, who refuses to fit into the frame that is imposed upon her, then you're crushed. In any case, that is Zaza's tragedy. And I'm really happy that we've talked about Elena Ferrante today. I agree with your point, Judith. Thank you so much, Sydney. I just wanted the audience to hear the wonderful line from your introduction. Zaza est morte parce qu'elle a tenté d'être elle-même et qu'on a persuadé que cette prétention était un mal. Now, it's a very powerful statement. She actually died of meningitis. She had a fever of 104, but the fact that she was wrung, the juice, the vitality was wrung out of her, certainly contributed to the weakness and the feebleness. And on that note, in any discussion of militant Catholicism, of surrender, of a fanatical sense of duty, of self-sacrifice to the point of self-annihilation. And so many of the themes that de Beauvoir touches upon in Les Inséparables, it's impossible not to think about Simone Weil, who was Beauvoir's classmate and friend, sometime friend. The introduction is so beautifully written, and another beautiful phrase in the introduction made me think of Simone Weil especially. You're referring to André Zaza, and you say, l'authenticité de ses exigences spirituelles ne sert qu'à la mortifier au sens propre du terme, à la torturer en l'acculant à des contradictions intimes. And then a little further on in that paragraph, bourreau de soi, elle se déchire. Do you think that Simone Weil and her fate had any influence on this novel and on Beauvoir's conception of Zaza? You mean Simone Weil? Si. Oui, Simone Weil. And, pardon. Oui. Je voulais citer une très belle phrase de votre introduction, Sylvie, sur la façon dont Zaza s'est persuadée qu'elle avait fait le mal. Bien sûr, Zaza est morte d'une méningite, mais je suis certaine que sa vitalité a en partie été écrasée. Le fait que sa vitalité ait été écrasée a contribué à sa faiblesse. Maintenant, dans toute discussion d'un catholicisme militant, du sacrifice de soi, tellement de thèmes qui reviennent dans Les Inséparables, il est impossible de ne pas penser à Simone Weil,
qui était à l'école avec Simone de Beauvoir, qui par moments a été son amie. Et je veux donc aussi citer ces très belles phrases de votre introduction, Sylvie, la phrase sur l'authenticité des exigences spirituelles, celle du bourreau de soi, pour venir à vous demander, est-ce que vous pensez que le destin de Simone Veil a eu une influence sur les inséparables, sur la conception que Simone de Beauvoir avait du personnage de Zaza? Alors là, je n'ai pas d'hésitation, absolument pas. Elles n'ont, Simone Veil et Simone de Beauvoir n'ont pas été amies. Elles ne se sont pas connues. Et la pensée de Simone Veil n'a pas du tout, n'habitait pas le monde de Simone de Beauvoir. Donc, non. So there, I can tell you with no hesitation, absolutely not. In fact, Simone Veil and Simone de Beauvoir were not classmates. They did not know each other. And the thinking of Simone Veil did not inhabit the world of Simone de Beauvoir. So, no. Okay, good. That's very clear. You said you used a phrase just now, une amitié amoureuse. And it's a wonderful expression that does not exist in English. I've tried to translate it. We don't have a notion for it. But it is, of course, a relationship in which a powerful love is not necessarily expressed in physical terms. And I want to touch briefly on the, I think, quite vile review of the book and some of the headlines and some of the sensationalizing criticisms of Les Inséparables, which have come out in France. One in particular in Libération, which seemed to me a work of misogyny and a vulgarity, extraordinary vulgarity, which the writer calls it a lesbian love story. And I was really outraged. And I think this that many people will Google the book and they will see, oh, lesbian love story. And it is just such a travesty, really, of the subtlety of the emotion, which is the subject of this book. And I wanted you to speak to this idea of an amitié amoureuse, the way Simone de Beauvoir understood it, and understood it here in this book, and understood it in other relationships. Je voulais vous parler, Sylvie, de cette très belle expression que vous avez utilisée un peu plus tôt, celle de l'amitié amoureuse, qui est un terme qu'on ne traduit pas facilement vers l'anglais. C'est cette idée d'un rapport où il y a beaucoup d'amour qui ne se traduit pas nécessairement par un rapport physique. Et je voulais parler aussi de ce qui sont, à mes yeux, des critiques viles et répugnantes et extrêmement sensationnel des Inséparables, publié en France, notamment celle de Libération, que je trouve extrêmement misogyne et vulgaire, où l'auteur parle d'une histoire d'amour lesbienne, ce qui m'a extrêmement choqué. J'imagine de potentiels lecteurs faisant une recherche Google du livre et tombant sur ça. Pour moi, c'est une trahison absolue de la subtilité émotionnelle de ce livre. Donc, je voulais vous demander, Sylvie, de parler de cette idée de l'amitié amoureuse telle que Simone de Beauvoir pouvait la concevoir dans son livre ainsi que dans ses rapports. Oui. Les critiques, la critique à laquelle vous faites allusion, c'est un marteau-pilon qui s'abat sur ce texte. Alors, il ne faut pas demander à un marteau-pilon de l'intelligence et de la compréhension. L'expression « amitié amoureuse » convient parfaitement au rapport de la Sylvie des Inséparables et de Zaza. L'amour, on peut parler d'amour
Il y a tant de sortes d'amour. Mais l'amour que Simone de Beauvoir a ressenti pour Zaza, alors qu'elle avait 10 ans, hein, c'était une petite fille, et qu'il a illuminé sa vie. Elle n'était pas malheureuse chez elle, mais enfin, c'était assez morne. Et elle a quand même, dans les Mémoires d'une fille rangée, une admirable expression quand elle dit, quand elle retrouve Zaza, que 10 000 soleils ont illuminé sa vie. Donc je crois que vraiment, l'amitié amoureuse, oui, ça convient très bien. C'est bien dommage si c'est difficile à traduire. J'ai autre chose à dire, mais je m'arrête. D'accord, je fais ça, c'est gentil. Well, the review you refer to, Judith, is that of a jackhammer going to work on a piece of writing. And you can't ask a jackhammer to have intelligence and understanding. This term of amitié amoureuse, a loving friendship, for lack of a better English translation, is a really perfect expression of the relationship between Sylvie in Les Inséparables and Zaza. I mean, there are so many kinds of love, but the love that Simone de Beauvoir felt for Zaza when she was 10 years old, she was just a little girl, illuminated her entire life. She was not particularly unhappy at home, but one could say that it was a little drab, and she describes it so beautifully in memoirs. She writes that when she would meet Zaza, 10,000 suns would illuminate her life. So yes, amitié amoureuse is really a perfect term to express this, and I'm so sorry that it's hard to translate into English. The sense of amorousness, which has a slight frisson, is there in the French, but it's also the most liberal way of describing the aspects of a friendship which we admit and don't admit to ourselves. Friendships have many, many depths. I want to leave time for the audience to ask questions. I have one quick last question before we take questions from others. You and I, Sylvie, are both women in our 70s. And well, I grew up in a secular household. Many of the conflicts that de Beauvoir describes and felt were very familiar to me, even though I was born in the late 40s. And especially the central one that her whole oeuvre articulates, which is, how can one become oneself, an individual, and a woman? But that's the story of our generation and of hers. But how do you think this will speak to the young readers out there, to the young people of both sexes, all genders? How do you think that paradox, that conundrum, that conflict will speak to them? Will it speak to them? Alors, je veux laisser un peu de temps pour les questions du public, mais j'ai une dernière question pour vous, Sylvie. Nous sommes toutes deux des femmes d'environ 70 ans. De mon côté, j'ai été élevée dans une famille non religieuse, mais j'ai très bien ressenti les conflits qui sont centrales dans l'œuvre de Simone de Beauvoir, même si je suis née à la fin des années 40. Et ce conflit essentiel, c'est comment est-ce qu'on devient soi-même en tant qu'individu et en tant que femme? Et ma question pour vous, Sylvie, c'est cette question qui a été tellement importante pour notre génération et qui est exprimée dans Les Inséparables. Comment pensez-vous qu'elle parlera aux jeunes générations, aux lecteurs et aux lectrices d'aujourd'hui, donc des gens des deux sexes? Comment est-ce que ce conflit, ce paradoxe, les atteindra, eux, à votre avis? Ben écoutez, ça, c'est le problème fondamental chez Simone de Beauvoir. Ça a été son problème. Comment se construire soi-même? Comment devenir soi-même? Et c'est un problème philosophique, c'est-à-dire c'est un problème général, universel, et qui touche, si je peux dire, tous les sexes. Et d'ailleurs... c'est ce qui fait l'audience de Simone de Beauvoir, car les lecteurs, vous savez, aujourd'hui comme hier,
sont très sensibles à ça. Et justement, c'est très difficile pour tout individu de réellement devenir une individualité. Et ça, c'est l'invention de la liberté. C'est toute la philosophie de la liberté de Simone de Beauvoir et de Sartre. Je crois que c'est aussi important, aussi brûlant pour les jeunes gens d'aujourd'hui que ça a pu être pour nous, par exemple. Et les lettres qu'a reçues Simone de Beauvoir, justement, de ses lecteurs, le montrent bien. Ce sont des lettres aussi bien d'hommes que de femmes, de très jeunes gens que de gens très âgés, de toutes les classes sociales, etc. Et parce que justement, elle a eu ce talent qui lui est propre de parler aux gens de bouche à oreille, tout en parlant de soi, de parler des autres. Et en particulier, de poser les questions. Comment faire pour devenir soi? Naturellement, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans des catégories toutes faites, dans des cases. Et je dirais que pour les femmes, contrairement à ce que disent beaucoup de soi-disant féministes, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut devenir un être humain avant de devenir une femme, alors qu'elles disent qu'il faut devenir une femme. Mais qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie. Donc, devenir un être humain qui se trouve être une femme ou un homme, mais c'est ça qui est primordial. J'arrive, hein. Oh, merci, merci Nicolas. C'est incroyable. Tout va bien, tout va bien. Non, c'est parfait. That is the fundamental issue in Simone de Beauvoir, what you've identified, Judith. It was her own personal issue, her problem. How do you build yourself? How do you construct yourself? And that is a philosophical, universal, general issue that affects all sexes, if I may say. And that's why she has the audience that she has. As you know, readers today and readers in the past are extremely sensitive to that question, because it is hard for any individual, to become an individuality. That's the invention of freedom. And that is the entire philosophical work of Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre. Right there. And that's a question that is as important to young people today, as burningly important as ever. This is something that the level to which Simone de Beauvoir accessed this is very obvious in the letters that she received from readers. They're readers of all genders, of all classes. That was her talent. It was her distinctive talent to be able to talk about herself while talking about others. And to ask how one can become oneself, because it's so much easier to fit into ready-made categories, to fit into specific slots. And for women, unlike what so-called feminists say today, I think that first one has to become a human being before one becomes a woman. Whereas these feminists say, you have to become a woman. But what does that mean, a woman? That's a category. You need to become a human being. And that is the essential thing. I just would like to thank Nicolas. He's doing heroic translating. It's a heroic job, to the concentration necessary to do. J'allais dire, et bravo, Nicolas. Bravo, Nicolas. Merci, thank you. Remarquable. J'allais le dire. Good. Yes, we agree on so much. So I think, Myriam, I think you have some questions from readers, the listeners. I can only think about reading. Is that true? How do we do this? Let's see if there's something in the chat. Oui, alors, on vient de recevoir une question de Kate Kirkpatrick. Ah!
Bonjour, Kate. Thank you for being with us. It's such an honor. So I'm going to read your question. You know what, Kate? What would be best is that just you unmute yourself and you speak. You ask. I'm going to unmute. D'accord, you. Je suis là. Oui, merci. En français ou en anglais? I think in English that would be best, and Nicolas will translate to Sylvie. Okay, thank you very much. I've enjoyed this conversation so much, Sylvie and Judith. I was struck by the Jansenist motifs in Les Inséparables. I thought this Zaza at one point believes herself to be unlovable, and she is described by André as worse than Jansenist. Merleau-Ponty is given the name Pascal and the surname Blondel, and I wondered whether this might be after the Catholic philosopher Beauvoir read during her youth, Maurice Blondel. So Sylvie, my question is, do you think it is significant that she wrote this novel with so many Jansenist allusions? And if so, why? Alors, j'ai été frappé par les motifs jansénistes dans Les Inséparables. À un moment, on dit que Zaza, il est impossible d'aimer Zaza, que c'est un personnage qui ne peut pas être aimé. Et André dit qu'elle est pire qu'une janséniste. Il y a aussi le personnage de Maurice Merleau-Ponty et Pascal Blondel. Je me demandais si peut-être ce Blondel était une référence au philosophe catholique Maurice Blondel que Simone de Beauvoir a lu dans sa jeunesse. Donc, j'allais simplement vous demander, Sylvie, quels étaient à vos yeux l'importance de ces motifs jansénistes dans Les Inséparables. C'est trop quoi vous dire. Merleau-Ponty... Le vrai Merleau-Ponty avait peut-être certaines tendances jansénistes, peut-être. Mais je ne comprends pas votre question sur Zaza qui ne pouvait pas être aimée. Non, je pense que là, c'est un problème de traduction. Je ne me souviens pas, c'est le mot que disait madame, c'est « unlovable ». Et il y a un passage dans lequel... André dit que le personnage de Zaza est ce quoi inaimable. 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 Zaza se dépréciait, n'est-ce pas? Oui, oui. Zaza ne s'aimait pas. Zaza ne s'aimait pas. Peut-être parce qu'elle avait souffert dans cette famille de 10 enfants. D'être noyée dans la masse et de ne pas être distinguée par sa mère bien-aimée. Elle se dépréciait. Alors ça, si c'est ça que vous voulez dire, oui. Mais je ne crois pas que ce soit chez Zaza du jansénisme. C'était un aspect de ce catholicisme que malheureusement, elle a tellement pris au sérieux et qu'il a contribué à la tuer. I'm not sure exactly what to say. Maurice Merleau-Ponty, the real Merleau-Ponty, may have had some Jansenist tendencies, but perhaps what you mean is Zaza did not love herself. It may be because she suffered from being drowned in the mass of a family of 10 kids, of not getting much attention from her beloved mother. If that's what you mean, yes, but I don't think that Zaza had a Janséniste, a Jansenist tendency. It was simply that very serious Catholicism that eventually led to her death. Myriam, vous êtes toujours avec nous? Hello. I have 10 more questions. Has anyone other question? Or Judith will have another question. No, I would welcome people to ask questions. We have another question by Lisa, sorry, which is... we have a question by Maria Barrera Argawal, which I'm going to read. Madame de Beauvoir, votre dernière mention sur la nécessité de devenir une être humaine est tellement importante.
Peut-on supposer qu'une personne telle que Zaza pourrait avoir le potentiel de devenir un être humain sans y parvenir? Les inséparables sont-ils en quelque sorte une description de cet échec? Je vais juste traduire la question pour les auditeurs anglophones. Madame de Beauvoir, your last reference to the necessity of becoming a human being is so important. Could we suppose that a person such as Zaza could have the potential to become a human being but not succeed? Could Les Inséparables, in a sense, be a description of that failure? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Zaza s'est efforcé précisément de s'arracher à tous ces obstacles qui l'empêchaient d'être elle-même. C'était quelqu'un d'exceptionnel, non seulement intelligente, mais passionnée, sensible. Et c'est ça qui est tragique, c'est qu'elle n'a pas réussi à échapper à son destin. C'est bien ça la tragédie. Ce sont des héros qui s'efforcent d'échapper à un destin qui les rattrape. Alors que Simone de Beauvoir a eu la chance d'échapper au destin en question. Ce que Judith a rappelé, le destin fangeux, c'est un terme très fort, fangeux. Ça évoque de la boue gluante qui vous retient. Alors, je vais laisser Nicolas répondre et après j'aurai une autre question de Lisa Letito pour vous. D'accord, je vais répondre un instant parce que je vais voir si je peux traduire le mot fangeux. Oui. Alors, yes, yeah. I just thought there might be a better one, but yes, absolutely. That's exactly it. Zaza strove to overcome these obstacles that prevented her from becoming and being herself. She was an absolutely exceptional person, sensitive, brilliant, etc. And that's the tragedy, is that she was not able to escape her fate, because tragedy is the story of a hero who cannot escape his fate, whereas Simone de Beauvoir was able to get away from her fate. And that's the word that Judith used. She said a muddy fate, and what a harsh and appropriate term that is, to say a muddy fate. I just want to add something here, if I may, which is, again, going back to Ferrante and the early novels of Ferrante rather than the quartet, the battle between the daughter and the mother, the battle to separate. That's also what this novel is about. So it's written 30 years before Elena Ferrante's Troubling Love or any of the other early novels, but it's also about this titanic battle between a daughter and a tyrannical mother who is Machiavellian in her understanding of domestic power and who really rules her to some degree with a velvet glove, but she cannot separate. And in a sense, she's fighting for separation. She's fighting to be born and she fails. So I think that's another interesting bond between the two writers, and de Beauvoir succeeds. She separates from her mother. Think of how extraordinary that was. Judith, vous devrez écrire là-dessus, hein, sur la comparaison des... That's interesting. Vous avez raison. C'est une très bonne idée. Merci. Sylvie is saying to Judith that she should write on this. She should compare Ferrante and de Beauvoir. Sylvie, vous souhaitez que je traduise ce que Judith disait, ou vous aviez compris? Je crois que... Enfin, j'ai répondu, mais oui. Peut-être pas à tout, je ne sais pas. En gros, Judith disait que un autre parallèle important entre l'œuvre de Ferrante et de Beauvoir, c'est la bataille entre une fille et sa mère et l'effort de se séparer de la mère. Ce sont les romans de Ferrante qui viennent avant le Quatuor napolitain. Et donc, Ferrante qui écrit... 30 ans après que Simone de Beauvoir écrit Les Inséparables, raconte ces batailles titaniques entre une fille et sa mère qui est machiavélienne dans sa façon d'exercer le pouvoir domestique. Une mère et une fille qui ne peuvent se séparer, une fille qui se bat pour se séparer, pour être née. Et dans le cas de Zaza, c'est un échec, tandis que Simone de Beauvoir a réussi.
Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, oui. Le rapport à la mer est crucial. C'est terrible. On peut dire que l'amour de Zaza pour sa mère était mortifère. 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 Oui. Porteur de mort. Alors qu'en en fait, une mère devrait être porteuse de vie. Yes, it's absolutely true. The relationship to the mother is absolutely crucial, and it's a terrible one. One could say that the relationship between Zaza and her mother was deathly, that it carried death in it, whereas a mother should carry life. So we have another question on the same around the same notions. It's by Lisa Lotito. So did Simone de Beauvoir believe that she was always in a process of constructing her own womanhood, or did she have a more fixed and certain idea of what it meant to be a woman as she became older? Alors la question est, est-ce que Simone de Beauvoir pensait qu'elle était toujours dans un processus de construction de son propre être femme, ou est-ce que quand elle est devenue plus âgée, est-ce qu'elle avait une compréhension, une vision particulière de ce qu'elle était en tant que femme? Je crois que l'invention de soi-même accompagne l'existence jusqu'à la dernière heure. Je crois que Simone de Beauvoir n'a jamais été enfermée par un personnage qui aurait été elle. C'est ça qui était tellement stimulant chez elle. Donc, je vous répondrai, on n'a jamais fini de se découvrir. C'est ce qui fait toute la valeur de l'existence. That's a very good question. I think that the invention of self accompanies life until our last hour. And I think that Simone de Beauvoir never locked herself into a specific character. That's what was so stimulating about her. We never finish discovering ourselves. And that's what's so valuable and powerful about existence. That's a very good place to stop if we need to. C'est un bon endroit où terminer si le moment est venu. Tout à fait. Thank you so much. Et j'ai oublié tout à l'heure de montrer le livre. I forgot to show the books. Yeah. Much better that we just received it 2 days ago at Albertine, so we have plenty of it. Thank you so much, Judith and Sylvie and Nicolas. Ce qui serait formidable maintenant, c'est d'aller prendre un verre. C'est trop tôt malheureusement ici, c'est 3 heures de l'après-midi. C'est vrai. De la chance là. Moi j'ai envie aussi d'une verre, mais je ne me permets pas avant 5 heures.